Donald. Voilà, moi d'ailleurs, nous sommes à Epomé aujourd'hui. Vous êtes à côté du papa de Guy Maristanien pour lancer un message à l'endroit justement des autorités pour interpeller Macky Sall et sa justice par rapport à la situation que traverse d'abord Guy Maristanien pour revenir sur la situation du pays avec l'affaire Ousmane Sonko. Oui, merci de nous avoir donné la parole. Nous sommes là aujourd'hui à Epomé. Une fois n'est pas de coutume. L'année dernière, nous étions là en ces mêmes mois avec Guy Maris pour venir fêter ce que l'on appelle sa libération avec les femmes du bois sacré qui ont fait beaucoup de choses pour lui. Et cette année encore, nous revenons encore dans ce même village. Pourquoi? Parce que notre camarade et frère Guy Maristanien a été kidnappé, nous dirons, a été emprisonné pour des faits imaginaires, pour des faits virtuels, pour des faits qui ne relèvent d'aucun fondement juridique, je dirais bien, d'aucun fondement juridique. Tout cela parce qu'il y a quelqu'un qui est ivre de pouvoir, qui voudrait toujours rester au pouvoir, peut-être éternellement, avec un pouvoir absolu, à savoir Macky Sall. Cela ne passera pas. Ce que nous réclamons, c'est la libération immédiate de Guy Maris. Et nous avons eu des informations, soi-disant, qu'il a été mis nu et qu'il serait même en train d'être torturé. Nous disons que les tortures sont des crimes. La torture est un crime contre l'humanité. Donc, s'il y a réellement des gens qui s'adonnent à des tortures sur des citoyens dignes ou sur des Sénégalais dignes de nom, qui n'ont fait que refléter leur patriotisme avec leur amour extraordinaire pour leur nation, s'il y a des gens qui n'aiment pas le Sénégal, ils doivent savoir que nous, activistes, nous aimons le Sénégal et nous portons le Sénégal haut. Ce n'est pas parce qu'ils sont là-bas pour des questions de salaire ou d'avantages qu'ils sont censés faire ce qu'ils veulent, qu'ils sont censés faire du n'importe quoi. Nous sommes là dans ce village encore symbolique, je dirais bien symbolique. Qui connaît Etomé, connaît Etomé pour ses affaires. Qui connaît Etomé pour d'autres questions en réalité. Et nous ne voulons pas en arriver avec ces détracteurs qui veulent intimider un jeune qui n'a rien fait, qui juste a montré son degré de patriotisme pour ce Sénégal-là. Nous disons au président Macky Sall de s'estimer heureux d'avoir des activistes qui sont pacifiques. Et donc, il faut comprendre aussi que nous bannissons la violence sur toutes ses formes. Mais malheureusement, nos autorités sont les premières à prôner la violence. S'il y a des actes de torture qui sont perpétrés sur un citoyen, nous dirions basta. Nous avons assez et nous en avons marre de cette situation que les Sénégalais sont en train de vivre. Nous demandons à juste titre la libération immédiate du camarade Guy Maristanien. Guy Maristanien n'a rien fait. Nous reviendrons pour le faire. Pour demander à ces vaillantes femmes, à ces braves hommes du Sénégal et particulièrement de la Casamance, précisément des Etomé, de se lever pour la libération de leur fils, de se lever pour la libération de ce digne fils du Sénégal, à savoir Guy Maristanien et tous les autres emprisonnés injustement. Et c'est ahurissant de voir un pays comme le Sénégal, du point de vue de sa démocratie, avec le Sénégal qui montre que il est un bon élève de la démocratie. Le Sénégal qui occupait une place très importante par rapport à la démocratie du monde. Malheureusement, un homme est venu au pouvoir, à savoir Macky Sall. Il veut écorner l'image du Sénégal par rapport à sa démocratie. Nous, en tant qu'activistes, nous lui disons que cela ne passera pas. Et malheureusement, ils sont les détracteurs. Ils sont les sources de cette violence inouïe qui sévissent dans tout le Sénégal. Et nous porterons Macky Sall responsable de tout ce qui arrivera à Guy Maris, de tout ce qui arrivera aux détenus, de tout ce qui arrivera à Sonko, mais de tout ce qui adviendra dans ce pays. Macky Sall sera le seul responsable avec son gourmand de gouvernement. À juste titre, aujourd'hui nous interpellons vaillamment l'armée du Sénégal à ne pas s'adonner à des actes regrettables ou à des ordres qui viennent de gens malheureusement qui n'ont pas un certain degré de responsabilité. Nous sommes fiers de notre armée nationale. Nous sommes fiers de vous. Et nous voyons ce que vous faites sur tous les champs, au niveau national et international. Nous vous demandons de ne pas suivre les ordres des gens qui sont ivres de pouvoir, qu'ils ne voudraient jamais quitter le pouvoir. Nous sommes fiers de vous, armée nationale, mais nous ne sommes pas fiers de nos gourmands gouvernants. Donc nous vous demandons, à juste titre, de garder votre élégance et à savoir que vous devrez être du côté du peuple et non du côté des gens ivres de pouvoir. Très bien.
régional.